السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous sommes inshallah ta'ala samedi 25 Muharram 1437 de l'Hijr qui correspond au 7 novembre 2015 ta'ala. C'est le 38e cours bi'idhnillahi ta'ala. Une remarque, 38e, le yam, il n'y a pas de S, 38e, car c'est un cours, le 38e, c'est le 38e, c'est pas les. Le 38e cours, le titre, les péchés aveuglent le cœur et affaiblissent sa clairvoyance. Les péchés aveuglent le cœur et affaiblissent sa clairvoyance. Les péchés aveuglent le cœur et même s'ils ne l'aveuglent pas, ils affaiblissent nécessairement sa clairvoyance. Il a précédé, on l'a dit déjà, qu'ils affaiblissaient inévitablement le cœur, les péchés. Et si le cœur est aveuglé et qu'il faiblit, il ne peut connaître la guidée. Et il est trop faible pour l'appliquer à lui-même et encore moins à autrui. Et ce, en fonction de la faiblesse de sa clairvoyance et de sa force. Une seconde, inshallah ta'ala, téléphone. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Il a été précédé que les péchés affaiblissaient inévitablement le cœur. Et si maintenant le cœur est aveuglé et qu'il faiblit, alors il ne peut connaître la guidée. Et il est trop faible pour l'appliquer à lui-même. Qu'en est-il, yani, appliquer la guidée à autrui? Et ce, en fonction de la faiblesse de sa clairvoyance. Ceci, car la perfection humaine gravite autour de deux choses. La perfection humaine, pour quelqu'un soit parfait, ça gravite autour de deux choses. La première, la distinction de la vérité du faux. Avoir, Allah Ta'ala t'a donné la distinction de la vérité du faux. C'est la première. La deuxième, la préférence donnée au premier. La préférence donnée à la distinction de la vérité du faux. Car ça ne suffit pas que tu sois une personne qui peut distinguer entre la vérité et le faux. Si quoi? Si tu ne donnes pas préférence à la vérité sur le faux. Donc à quoi ça te sert que tu saches que cette chose est vraie et que cette chose est batel si maintenant tu fais le batel? Mais il faudrait que tu donnes la préférence à la vérité. Il dit, les degrés divers des gens auprès d'Allah Azza wa Jal en ce bas monde et dans l'au-delà sont en fonction de leur rang en ces deux choses. En ces deux choses que je viens de citer, c'est-à-dire la distinction de la vérité du faux et deuxièmement la force de, et deuxièmement le fait de choisir la vérité au faux. Donc il dit en fonction de leur rang en ces deux choses dont Allah Azza wa Jal a fait l'éloge chez ses prophètes. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Sourate Sad, verset 45-46, lorsqu'il a dit,
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Je répète, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Et rappelle-toi, Ibrahim, Ishaq et Yaqub, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi les éloges? Nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nos serviteurs puissants et clairvoyants. Donc, il leur a fait l'éloge en deux qualités. En deux qualités. Qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont puissants lorsqu'il a dit Oulil Eidi. Donc, puissants. Ça désigne ceux qui sont forts dans la réalisation de la vérité. Donc, ce n'est pas seulement ils connaissent la vérité, mais ils sont forts dans sa réalisation. Donc, ils sont puissants. Et clairvoyants, ou l'absar, il a dit Oulil Eidi, ou l'absar, ça veut dire ceux qui sont clairvoyants en leur religion. Donc, rappelle-toi, Abraham, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont deux qualités. Ils sont puissants et clairvoyants. Clairvoyants, ils connaissent la vérité du faux, la sunna, de la bid'a, naam, la guidée, de la perdition. Donc ils sont clairvoyants, mashallah. Et deuxièmement, ils sont puissants. Ils ont la force, naam, d'appliquer et de réaliser, yani, cette vérité. Tayyib, il dit ainsi, Allah Azza wa Jalla les a décrits par la perfection. La perfection de quoi? La perfection de la perception de la vérité. Et les a décrits aussi de la perfection de sa réalisation. Les gens se divisent sur ce point en quatre catégories. Et si c'est possible que quelqu'un, yani, je vais les citer, que quelqu'un, yani, les écrit seulement comme ça, juste les titres. Non. Salam. Donc, on est en train de parler de deux choses. Naam. La clairvoyance, naam, que tu saches que ça c'est la vérité, ça c'est le faux, ça c'est la sunna, ça c'est la bid'a, ça c'est la guidée, ça c'est la perdition, ça c'est l'iman, ça c'est le kofr. Tu as la clairvoyance, walhamdulillah. Et la deuxième, la réalisation de cette vérité et son application. Et les gens, par rapport à ces deux choses, se divisent en quatre. Les premiers, ce sont les plus heureux et les plus nobles auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce sont ceux qu'on vient de citer. Ceux qui, en eux, se groupent les deux, ces deux qualités. Ils ont la clairvoyance et la force de la réalisation. Les premiers, ce sont les plus heureux et les plus nombreux. Les premiers, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont la clairvoyance ou la force dans la clairvoyance et la force dans la réalisation. Écrit. Il y en a quatre. Les premiers, ce sont ceux qui ont la force dans la clairvoyance et la force dans la réalisation de la vérité. Ça y est. Quand vous terminez, vous écrites, vous avez les premiers, sont ceux qui ont la force dans la clairvoyance et la force dans la réalisation de la vérité. Comme les NBA que vient de citer maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, ça c'est la première catégorie, les premiers, les seconds, écrit, les deuxièmes, c'est qui? Ce sont ceux qui sont à l'opposé. Ceux qui ne sont dotés d'aucune clairvoyance dans la religion et d'aucune force dans la réalisation de la vérité. Écrit. Les seconds, ce sont ceux qui n'ont ni la clairvoyance, ni la force dans la clairvoyance, ni la force dans la réalisation de la vérité. Ils sont vraiment à l'opposé. Deuxième, ils sont vraiment à l'opposé. Taïb. On attend qu'il écrive. Les deuxièmes, les seconds, ceux qui sont à l'opposé, ceux qui sont dotés d'aucune force dans la clairvoyance
ni d'aucune force dans la vérité. A'udhu billah, a'udhu billah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, ce sont les plus nombreux des hommes, ce sont les plus nombreux des gens. Naam. Tous ceux qui sont à ta droite, à ta gauche, que tu rencontres dans la rue, la plupart, ce sont ceux-là qui n'ont aucune force, ni dans la clairvoyance, yani pour voir le faux du bien, le faux de la vérité, ni la force, yani dans l'application de cette vérité, dans la réalisation de cette vérité. Naam. Il a oublié d'écrire dans la réalisation de la vérité. Al-Muhim, ce sont les plus nombreux. Ce sont ceux qui ne s'intéressent qu'aux défauts d'autrui. Du matin au soir, ils parlent des défauts des gens, au lieu de chercher la vérité, pour ensuite essayer de l'appliquer. Lui, il passe son temps à parler des défauts d'autrui. Il passe son temps avec l'agitation. Il s'intéresse aux maladies du cœur. Ce sont ceux qui oppressent les gens. Ce sont ceux qui font monter les prix. Ce sont ceux dont la compagnie n'amène qu'opprobre et scandale. La compagnie, tenir compagnie à ce genre de gens-là, ça n'amène que déshonneur et avilissement. Troisième catégorie. Ce sont ceux qui sont dotés de clairvoyance, alhamdoulilah, et de connaissance dans la vérité, mais qui n'ont pas la force de la réaliser. Écrit, troisièmement, ceux qui ont la force dans la clairvoyance, mais n'ont pas la force dans la réalisation de la vérité. Ce sont ceux, donc, qui ont la clairvoyance et la connaissance de la vérité, mais n'ont pas la force de la réaliser. Donc ceux-là, d'Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, naam, il dit, et c'est là, la condition du croyant faible. Et le croyant fort est meilleur et plus aimé à Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est qui? Ça s'applique à qui? Ça s'applique au croyant faible. Alhamdulillah, il connaît la vérité, il connaît le haq, il connaît la houda. Naam. Il connaît yani ses amis, il connaît ses ennemis. Alhamdulillah, il a yani le filtre. Mais pour appliquer, il est faible. Il dit, c'est là la condition du croyant faible. Et le croyant fort est meilleur et plus aimé de Allah Azza wa Jalla. Et la quatrième sorte, c'est le contraire. Ce sont ceux qui sont dotés de force, d'intérêt et de détermination, mais ont une faible clairvoyance en la religion. Donc quatrième, c'est qui? Ce sont ceux qui, mashallah, sont dotés de force. Naam. Ils ont la force, mashallah, yani, prêts à tout faire. Mais une faible clairvoyance en la religion. Il dit, et vous avez écrit ça, force, naam, dans la détermination, ils sont dotés de force pour réaliser, naam, mais ils ont une faible clairvoyance dans la religion. Il dit, ils sont pratiquement incapables de distinguer les alliés du miséricordieux et les alliés de Satan, pensant que toute noirceur est une date et toute blancheur est un morceau gras. Ils prennent la boursouflure pour un morceau gras et ils prennent le remède utile pour un poison. Donc ceux-là, yani, qaddarallah, qu'est-ce qu'ils ont? Yani, ils sont dotés de force, mashallah, mais une très faible clairvoyance dans la religion. Et ceux-là, comme vous devez savoir, il peut faire beaucoup plus de mal à eux-mêmes et à l'islam que de bien. Naam. Pourquoi? Ils n'ont pas, yani, la force de quoi? La force de la clairvoyance. Pour connaître c'est qui l'allié d'Allah, c'est qui l'allié du shaitan. C'est où le vrai, c'est où le faux. Est-ce que c'est sunnah, c'est bid'ah?
est-ce cette chose, est-ce qu'elle attire le ravissement d'Allah ou bien ça attire la colère d'Allah. Mais tout ce qu'il sait, c'est que il est prêt à faire tout ce qu'on veut. Prêt à tuer, prêt à faire le djihad, prêt à courir, prêt à... Allahu Akbar. Non. Mais pas clairvoyance. C'est un peu, c'est beaucoup même, c'est pas un peu. C'est ceux qui, suivent leur passion et comme ça, ils ne suivent pas les savants. Non. Et ils font ce qu'ils veulent et ils disent, al-muhim, là, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Non, mais pas clairvoyance. Car quelqu'un qui ne suit pas les savants, c'est impossible qu'il ait de la clairvoyance. Mais il est en train de suivre ce que lui dicte son cœur et ses passions. Non. Aucun d'eux, d'Ibn al-Qayyim, ne convient à l'imama dans la religion. L'imama dans la religion, c'est-à-dire que Allah Ta'ala t'accorde un statut pour que tu deviennes quoi? Tu deviennes yani suivi. C'est-à-dire tu, bi'idhnillahi ta'ala, c'est toi qui diriges. Non. C'est toi que maintenant les gens te suivent et tu leur montres. C'est comme l'imam à la mosquée. Non. Maintenant, pour atteindre l'imama, c'est pas dans le sens seulement de guider les gens dans la salat. Ça, c'est une chose facile, plus ou moins facile. Mais les guider aussi, leur montrer leur religion, leur montrer la aqida, le minhaj, le faire comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour atteindre ce statut qu'on appelle l'imama dans la religion, Allah azza wa jalla a cité que la personne doit remplir deux conditions. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-sijda, verset 24. وَجَعَلْنَا مِنْ دُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Nous avons élu parmi eux des guides spirituels. Voilà, des guides. Ils sont devenus des guides. Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guident par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc, pour que quelqu'un atteigne l'imama et devienne un dirigeant qui guide les gens, il faudrait qu'il remplisse deux conditions. La première, l'endurance. Il a dit aussi longtemps qu'ils enduraient. Et la deuxième, la croyance ferme. La croyance ferme. Pour atteindre l'imama, deux conditions. Pour voir l'endurance et une croyance ferme. Avec l'endurance, on brûle les passions. Et avec la croyance ferme, on brûle les ambiguïtés. Et toute personne qui maintenant est loin des passions et des ambiguïtés, elle a atteint le stade d'être un dirigeant et de pouvoir guider les gens. Pourquoi? Il ne suit pas ses passions et il ne suit pas les ambiguïtés. S'il ne suit pas les passions, ça veut dire qu'il suit le Coran et la Sunna. Et s'il ne suit pas les ambiguïtés, ça veut dire qu'il ne suit pas, etc. Il suit le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là, il peut guider les gens. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit, Allah azza wa jalla a donc informé que c'est par la patience et la certitude qu'ils sont parvenus au rang de guides spirituels. Allah Azza wa Jal a fait exception d'eux parmi les perdants. Et il a juré par le temps, ou l'asr, pendant lequel perdants et gagnants œuvrent, il a juré que tous ceux en dehors d'eux comptent parmi les perdants. Lorsqu'il a dit, ou l'asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Par le temps, l'homme court à sa perte, sauf Naam. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres se recommandent la vérité et se recommandent la patience. Ainsi, il ne leur est pas suffisant de connaître la vérité et de patienter sur celle-ci. Mais ils doivent se la recommander, guider vers celle-ci et y inciter. Je répète, très important. Ça ne suffit pas de connaître la vérité et de patienter sur celle-ci. Mais encore, on doit se la recommander, guider vers celle-ci et inciter les gens à la suivre. Si
Ibn al-Qayyim dit, si ceux en dehors d'eux sont perdants, il est connu que les péchés et désobéissance aveuglent la clairvoyance du cœur. Du cœur qui met ce doigt. Sa force et sa détermination faiblissent. Et ainsi, il ne patiente plus sur celle-ci. Plus encore, les péchés peuvent se succéder sur le cœur jusqu'à ce que sa perception s'inverse de la même manière que son cheminement. Ainsi, il perçoit le faux comme étant la vérité, et la vérité comme étant le faux, le bien comme étant le mal, et le mal comme étant le faux. Ainsi, il chute dans son cheminement et revient de son voyage vers Allah et l'au-delà pour l'immobilisme des âmes mensongères qui se suffisent de la vie d'ici-bas et se détournent d'Allah et de ses signes, sans se préparer pour sa rencontre à Zawjan. Il dit, si les péchés n'entraînaient pour châtiment que celui-ci, cela suffirait pour les délaisser et s'en éloigner. Qu'Allah nous vienne en aide. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc il a dit, des fois, yani, les péchés font en sorte que non seulement yani, ils faiblissent les cœurs, mais si au moins ils faiblissent, ça s'arrêtait là. Mais des fois, qu'est-ce que ça fait? Ça renverse le cœur. Au point, il va voir quoi? Il va voir le faux comme étant la vérité, et la vérité comme étant le faux, et le bien comme étant le mal, et le mal comme étant le faux. Là, c'est vraiment très très grave. Car il est possible que la personne faiblisse, et nous tous en faiblis. Mais alhamdoulilah, dans mon cœur, il y a toujours la vérité, vérité, et le faux est faux. La sunna est sunna, la bid'a est bid'a. Naam. Mais si maintenant, yani, ça se renverse, les choses se renversent, et, car le cœur s'est renversé. Trop de péchés, c'est pas beaucoup de péchés, trop de péchés. Il est tout noir, il s'est renversé, là c'est vraiment très grave. Là c'est vraiment très grave, que Allah Ta'ala nous préserve. Et il y a des gens qui sont contre ça. Il y a des gens, et ce qui est grave c'est quoi? C'est que ces gens étaient peut-être, mashallah, ensuite ils se sont renversés. Tu t'étends, tu dis, subhanallah, celui-là il est devenu comme ça? Oui, il est devenu comme ça, oui. Non, ne t'étends pas, ne t'étends pas. Et le contraire aussi est vrai. Pourquoi il était yani, vraiment, vraiment, vraiment yani, dans le plus profond du gouffre? Et il est sorti. Et Allah Ta'ala l'a fait sortir. Tu t'étends, hein? Tu dis, celui-là, subhanallah, il a fait tauba. Celui-là. Non, tu croyais que c'est pas le genre qui fait tauba, celui-là. Celui-là, il a fait tauba. Oui, il a fait tauba. Il est mashallah. Mais le contraire aussi est vrai. Celui-là qui était vraiment mashallah a chuté au plus profond du gouffre. Que Allah Ta'ala nous préserve. De la même manière que l'obéissance à Allah Azza wa Jal, écoutez bien ce que font les péchés. De la même manière que l'obéissance à Allah Azza wa Jal illumine, éclaire, polie, renforce et affermit le cœur au point qu'il devienne comme le miroir poli dans sa brillance et sa limpidité, et se remplissent de lumière. Lorsque Satan s'en approche, il est atteint par sa lumière, comme le démon qui cherche à écouter au ciel, et il est frappé par un météore transperçant. Alors il dit, Satan est plus effrayé par ce cœur plein de lumière, Satan est plus effrayé par ce cœur que le loup ne craint le lion. Et celui qui possède un cœur comme ça illuminé, terrasse Satan qui tombe bien vite. Puis les démons se rassemblent autour de lui. Et ils disent à ce démon qui vient de tomber, qu'est-ce qui lui est arrivé? On le répond, il a été frappé par un être humain. Il a été atteint par le regard d'un homme. Allahu Akbar. Comme Shaitan yani donne a aussi un mauvais regard, on est atteint par le mauvais œil, comme les êtres humains et les Shaitan, les Shayatin ont aussi cela. Les êtres humains, quand certains, yani, ceux qui ont des cœurs illuminés, des cœurs vraiment yani, limpides, qui brillent par la lumière de la sunna, de la science, de la lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici, l'être humain
peut frapper un shaitan et le faire tomber par terre. Non. Ensuite, quand les démons se groupent autour de lui pour chercher qu'est-ce qu'il a fait tomber, on leur répond, il a été frappé par un être humain. Il a été atteint par le regard d'un homme. Ensuite, il a cité aussi un poème où il dit, un regard émanant d'un cœur libre et illuminé qui brûle pratiquement Satan de par sa lumière. Donc, Shaitan n'a pas intérêt à quoi ? À venir s'approcher de gens pareils. Shaitan a intérêt à aller vers les gens qui font des péchés, ou du moins vers les croyants, mais ceux qui sont faibles, pas ceux qui ont atteint ce degré. Non. Notre Imam Ta'ala dit, ce cœur est-il semblable au cœur de... Écoutez bien, ce cœur est-il semblable au cœur dont tous les recoins sont ténèbres, dont les passions sont diverses, que Satan a pris comme lieu et demeure, et qui au matin le salue et lui dit, j'ai été remplacé par un compagnon qui ne réussira ni en cette vie ni en l'au-delà. Ensuite, là, c'était un poème. Il est ton compagnon en cette vie et après la résurrection. Tu es mon compagnon en tout lieu. Si tu es dans la demeure du malheur, toi et moi sommes ensemble dans le malheur et le déshonneur. Allah Azza wa Jal a dit, وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَارِنٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القارين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الزخرف 36-39. Écoutez bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Écoutez bien ce verset, ce que Allah ta'ala a dit. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, alors châtiment c'est quoi? Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Et les diables détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci croient être bien guidés. Et enfin, lorsqu'on va mourir, lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux orients? Quel mauvais compagnon que tu es! Allah Ta'ala a dit, il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associé dans le châtiment. Donc, on prend de ce verset au moins deux ou trois choses très importantes. La première, lorsqu'il a dit, et quiconque se détourne du rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Donc, ou bien tu choisis le chemin d'Allah Ta'ala, le chemin du tout miséricordieux. Et là, ça va venir, Allah subhanahu wa ta'ala va t'entourer d'anges, naam, qui sont avec toi, tu ne les vois pas, ils essayent de t'exhorter vers le bien et comme ça. Ou bien alors tu choisis le chemin du démon et de Satan, le chemin qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a promis Allah subhanahu wa ta'ala que quoi? Que nous allons lui assigner un démon qui deviendra son compagnon inséparable. Donc un démon qui sera collé à chaque personne qui n'a pas voulu suivre le chemin du tout miséricordieux, très miséricordieux. Ça c'est la première des choses. La deuxième, il a dit, et ces démons, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait ce démon? Il va te tenir compagnie pour te faire plaisir. Il a dit, il leur obstrue le droit chemin. Il leur obstrue le droit chemin et ainsi, ils vont penser être bien guidés. Naam. Wa innahum la, il a dit dans le verset ici, wa innahum la yasuddunhum an sabil. Ils les détournent du vrai chemin. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Et leur font croire qu'ils sont sur le vrai chemin. Donc ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est ça la gravité du chose, de la chose. Si tu sais que tu es sur le mauvais chemin, c'est moins grave que quelqu'un qui est sur le mauvais chemin et croit qu'il est sur le bon chemin. Car quand tu sais que tu es sur le mauvais chemin, à la rigueur, il y a quelque chose dans ton cœur qui yani, te donne un peu de remords. Car tu sais que ça ne se fait pas. Tu sais que tu es dans le faux. Tu sais que quand tu vas mourir, c'est pas facile.
Donc peut-être qu'un jour tu vas te réveiller. Mais si par contre tu es sur le mauvais chemin et tu crois que tu es sur le bon chemin et que ce que tu fais est bien, alors là c'est très grave. Pourquoi ? Jamais tu ne peux te réveiller. Jamais tu ne peux te réveiller. Non. Pourquoi ? Parce que tu crois que tu es sur le vrai. Tu n'as pas besoin donc qu'on te montre où là. Tu es sur le bon chemin. Comme ça tu crois. Et ça c'est le travail du shaitan. Travail de shaitan. Une seconde. D'ailleurs, je disais, ça c'est la deuxième des choses qu'on prend. Et on prend aussi une chose importante dans ce verset, lorsqu'il a dit, jusqu'à ce que l'homme parvienne à nous et dise à son démon, si seulement il y avait entre toi et moi la distance entre les deux orients, quel mauvais compagnon tu es. Mais là c'est trop tard. Là c'est lorsqu'il va, on va rencontrer Allah Ta'ala, et la personne va dire à son démon, c'est ta faute, etc. Et commence à dire, si c'était pas toi, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, mais ça ne sert à rien, bien sûr. Il fallait dire ça ici. Ici, il fallait prendre garde et ne pas faire de sorte, yani, d'emprunter le chemin qui, si tu empruntes ce chemin, Allah Ta'ala va te coller le démon. Donc, j'essaye d'éviter ce chemin. Et donc, de prendre le chemin où Allah Ta'ala va m'entourer d'anges et de la bonne compagnie des gens. Et non pas de... Et vous remarquez que si Allah Ta'ala donne et colle ce démon à la personne, c'est pas parce que yani Allah Ta'ala lui fait de l'injustice. Toi tu es quelqu'un de mashallah qui passe toute ta journée dans l'obéissance d'Allah et 5 fois par jour tu vas à la mosquée, ensuite il va te coller ce démon. Non, il le colle à celui qui le mérite, bien sûr. Donc Yom Kiyama, ça sert à rien si tu n'as pas fait ici les causes yani pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième chose très importante qui va se passer ce jour-là, lorsqu'il a dit à la fin du verset, il a dit, il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment, puisque vous avez été associés dans l'injustice. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, Yom al-Qiyamah, quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il va jeter en enfer ces gens-là, et ceux qui ont suivi le shaitan, etc. Allah Ta'ala te dit dès maintenant, c'est pas la peine que tu crois que ce jour-là, yani, pour te réconforter, tu vas dire, Alhamdulillah, je ne suis pas le seul en enfer. Même le démon a été jeté avec moi en enfer, et Alhamdulillah, en enfer, on est nombreux, donc ça va diminuer yani, de ma tristesse, et ça va me réconforter un peu. C'est comme ça que les gens disent dans cette vie. Ça, si un malheur t'arrive, tu demandes toujours, est-ce que ce malheur est arrivé à d'autres? Quand on te dit, on va dire, oui, X, Y, on aussi cette chose. Tu vas dire, Alhamdoulilah, je ne suis pas le seul. C'est comme si quelqu'un est atteint d'un cancer. Ensuite, on lui dit, X aussi, Y, Z, ton voisin, ton cousin, tous ont le cancer. Et ça va te réconforter un peu. Tu dis, Alhamdoulilah, je ne suis pas le seul. Ou alors, tu vas voir... le résultat du baccalauréat. Tu trouves que tu n'as pas gagné. Mais ce n'est pas toi le seul. X, Y, tes amis que tu connais, qui sont plus forts que toi, et yani, ils n'ont pas eu le bac. Donc ça te réconforte un peu. Dis, Alhamdoulilah, je ne suis pas le seul. Et comme ça. Mais ça, Allah Ta'ala t'avertit. Il te dit ça, il y a seulement dans la dunya. Il n'y a pas dans l'au-delà. Dans l'au-delà, tu voudrais donner ton père pour qu'il aille en enfer à ta place. Et tu voudrais donner tes enfants et ta femme et ta mère, si c'est possible, les jeter pour que toi, tu n'ailles pas en enfer. Il n'y a pas, Alhamdoulilah, je ne suis pas seul en enfer, on est tous là, il y a mes amis, il y a tous, il y a les X et Y qui sont là, donc ça me réconforte. Non, il n'y a pas ça. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et il a dit, remets le verset, Jazakallahu khairan. Il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment, puisque vous avez été associés dans l'injustice. Comme vous avez été ici injuste, naam, hein, il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Naam, ça ne te profitera ce jour-là en rien. En rien. Ibn al-Qayyim dit, Allah Azza wa Jal, naam, a informé
Attendez comment qu'il a dit ça. Allah Azza wa Jal, informé du fait que celui qui se détourne et s'écarte de son rappel, qui est son livre, qu'il a révélé à son messager, il s'est détourné de sa clairvoyance, se détournera de sa compréhension, de sa méditation, de la connaissance de ce que Allah Ta'ala a voulu de lui, alors Allah Ta'ala lui a assigné un démon, un châtiment pour s'être détourné de son livre. Il est donc son compagnon qui ne le quitte jamais. Shaitana, il est son compagnon qui ne se quitte jamais, qu'il soit résident ou voyageur. Il est son maître. Il est son maître, son clan. Et quel mauvais maître et clan. C'est pour citer un poème. Comme deux frères allaités par le sein d'une même mère, et qui, dans la nuit noire, aurait fait le serment de ne plus jamais se quitter. Ibn al-Qayyim dit, puis, écoutez bien, puis, il a informé du fait que Satan obstrue à son compagnon le chemin menant à Allah et à son paradis, alors que cet égaré pense qu'il est sur la voie de la guider. Ceci, jusqu'au jour de la résurrection. Un des compagnons va dire à l'autre, si seulement il y avait entre moi et toi la distance séparant les deux orients. Ah, si seulement on était vraiment loin l'un de l'autre. Mais on était très proches, là, très proches. Tu m'as eu. Quel mauvais compagnon tu fus pour moi en ce bas monde. Tu m'as égaré de la guider après qu'elle me soit parvenue. Tu m'as obstrué le chemin de la vérité et tu m'as fourvoyé jusqu'à ce que je périsse. Quel mauvais compagnon tu es pour moi aujourd'hui. Ibn al-Qayyim continue. Et puisque, lorsque quelqu'un est associé au malheur, ce qu'on a cité tout à l'heure, que quand vous serez nombreux ou pas en enfer, ça ne sert à rien. Il dit, lorsque quelqu'un est associé au malheur, cela entraîne une forme de réconfort et d'atténuation. Allah a informé du fait que cela ne se produit pas pour ceux qui sont associés dans le châtiment Yom al-Qiyamah. On n'éprouve aucun repos et aucune joie à voir son compagnon châtié avec soi. Même si on se bat monde, lorsque les fléaux frappent tout le monde, il existe une forme de consolation. Naam. Vous vous rappelez les trois sahabas qui n'ont pas été à la bataille de Tabouk? Le premier, Ka'b ibn Malik, quand il n'est pas parti. Ensuite, Naam, il a su que c'était grave. Qu'est-ce qu'il a dit? La première question, il a posé, il a dit, est-ce qu'il y a des gens aussi qui sont dans le même cas que moi, qui ne sont pas partis? On lui a dit, Naam, il y a Hilal ibn Kada et Kada X Murara, ibn Murara, Naam, les trois compagnons. Ah, pourquoi il a cherché? Pour savoir, il dit, au moins je ne suis pas le seul, hein? Même si c'est grave ce que j'ai fait, mais au moins je ne suis pas le seul. Il y a deux autres sahabis avec moi, alhamdoulilah. Donc il y a toujours consolation. Mais Allah Ta'ala dit, non, ça c'est dans la dunya, yom al-qiyama. Il n'y a pas consolation, même si on te ramène tout le monde et on va mettre tout dans l'enfer. Consolation, si toi tu n'allais pas en enfer. Mais tant que tu y vas, c'est très grave. Et le fait qu'on mette tout le monde avec toi en enfer, ça va ne te réconforter en rien. Donc il a dit, c'est comme lorsque les fléaux frappent tout le monde, alors il existe une forme de consolation. Comme l'a dit Al-Khamsa, la poète très connue, elle a dit de son frère Sahr, lorsqu'on lui a dit qu'il était mort. Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez bien. Si ce n'était le grand nombre autour de moi, de ceux qui pleurent leurs frères, je me serais suicidé. Vous avez compris? S'il n'y avait pas ce grand nombre autour de moi de gens qui aussi pleurent leurs frères qui sont morts, je me serais suicidé. Elle a dit, il ne pleure pas de semblable à mon frère. Je sais que mon frère est mieux que leur frère. Il ne pleure pas de semblable à mon frère. Mais de les voir pleurer ainsi allège mon chagrin. Oh Sah, je ne t'oublierai jamais, jusqu'à quitter ce monde et parvenir à ma sépulture. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Le fait que tous ces gens pleurent, Naam, elle a dit, ça n'allège pas mon chagrin.
Il ne pleure pas, mon frère, mais de pleurer ainsi allège mon chagrin, afwan, allège. Même si elle sait quoi, elle dit que ces gens-là ne. Non. Mais le fait quand même de voir pleurer, ça allège mon chagrin, alhamdoulilah. Les péchés. Non. Enfin, il dit, Allah Azza wa Jalla a privé les habitants de l'enfer de ce peu de consolation. Ainsi, il dit, il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment puisque vous avez été associés dans l'injustice. 49e mot. Attendez, si c'est long, on laisse pour le prochain. Oh, c'est long. Les péchés sont des renforts donnés à l'ennemi. Les péchés sont des renforts donnés à l'ennemi. Je pense, Allah Ta'ala a'lam, que peut-être ça suffit pour aujourd'hui. Non, peut-être ça suffit pour aujourd'hui. Parce que ce qui va venir, c'est assez long. C'est assez long. Très important ce qui va venir, mais assez long. Dommage, mais très important. On va montrer comment, yani, lorsqu'on fait des péchés, on a donné des renforts à l'ennemi. Malish, on va dire un peu. Malish, on va dire un peu. Je vais dire assez vite, Inch'Allah Ta'ala. Les péchés sont des renforts donnés par l'homme à son ennemi. Une arme par laquelle il le renforce contre lui. Allah Azza wa Jal a éprouvé l'homme en lui attribuant un ennemi qui ne le quitte pas. Serait-ce le temps d'un clin d'œil. Ne se détourne jamais de lui. Et qui le voit, lui et son clan, d'où l'homme ne peut le voir. Donc Allah Ta'ala nous a montré c'est qui notre ennemi. Il a montré que, yani, il ne nous quittait pas. Et qu'il est tout le temps à l'affût en train de nous guetter. Quand est-ce qu'on se trompe, pour nous faire tomber. Quand est-ce qu'on faiblit, etc., pour nous faire chuter. Il a dit, il lui a donné quelque chose, un avantage que quoi? Il nous voit, lui et son clan, nam, d'où nous, on ne peut pas le voir. Comme il cite dans le verset Sourate Al-A'raf, numéro 27. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. » C'est-à-dire, il vous voit, le shaitan, il vous voit, lui et ses suppôts, lui et ses adeptes, d'où vous ne les voyez pas. C'est-à-dire, c'est pour ça que il est impossible que quelqu'un dise, j'ai vu shaitan. C'est impossible. Il est possible qu'il voit quoi? Qu'il voit un djinn, mais pas sous sa vraie forme. Non, il voit un djinn en serpent, ou là en être humain, ou là en chien noir. Non. Mais que voit le vrai djinn avec ses cornes et la queue, etc. C'est pas possible. Allah Ta'ala dit, il vous voit lui et ses suppôts. D'où vous ne les voyez pas. Ou alors il le voit en rêve, mais pas en vérité. Al-Muhim, il dit, il déploie tous les efforts pour s'opposer à lui en toute occasion. Il n'abandonne pas une chose par laquelle il peut ruser contre lui et l'atteindre sans la pratiquer. Et il utilise pour cela les enfants de son père. Les enfants de Shaitan, parmi les démons, les djinns, et même d'autres parmi les démons humains. Les démons humains. Non. Il dit, il lui tend des guet-apens, lui provoque des calamités, et tend autour de lui des filets et des pièges. Il dit à ses soutiens, devant vous se trouve votre ennemi. Devant vous se trouve votre ennemi et celui de votre père, qui ne vous échappe pas. Qui n'obtienne pas le paradis et la miséricorde, et vous l'enfer et la malédiction. Comme ça il dit à ses enfants. Ne le laissez pas, Naam, ne le laissez pas obtenir le paradis et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, alors que vous, et nous bien sûr et moi, on va aller en enfer et on mérite la malédiction. Il leur dit. Vous savez ce qui m'est arrivé ainsi qu'à vous comme humiliation, malédiction et éloignement de la miséricorde d'Allah, et cela est arrivé par sa faute. C'est par sa faute, celui-là, par sa faute et par sa cause. Alors, déployez tous vos efforts afin qu'il vous soit associé dans ce malheur, puisque nous avons manqué d'être associés aux pieux d'entre eux au paradis. Allah Azza wa Jal
nous a informés de tout cela concernant notre ennemi et il nous a ordonné de nous préparer contre lui. Puisque Allah Azza wa Jal savait que Adam alayhi salam et sa descendance seraient éprouvés par cet ennemi, il leur a soumis des troupes et armées pour l'affronter. Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a soumis des troupes et des armées pour le combattre. Naam, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Mais il a également attribué à leurs ennemis des troupes et armées pour les affronter. Il a établi le champ de bataille en ce bas monde. Donc nous, dans ce bas monde, en fait, nous sommes dans un champ de bataille, un grand champ de bataille, avec des armées et tout, contre les démons. Naam. Donc il a dit, il a établi le champ de bataille en ce bas monde, pour le temps de l'existence, qui est, en comparaison de l'au-delà, tel un souffle de ses souffles. Il a accordé aux croyants, au prix de leur personne et de leur bien, de leur offrir le paradis. Ils combattent sur le sentier d'Allah, tuent et sont tués. Il a mentionné que c'est là une promesse établie dans les plus nombreux de ses livres qui sont la Torah, l'Évangile et le Coran. Il a aussi informé du fait que personne ne respecte son engagement plus que lui, plus que Allah Azza wa Jal. Puis, il leur a ordonné de se réjouir de cette transaction dont on peut connaître la valeur, on ne peut connaître la valeur qu'en considérant qui est l'acquéreur. L'acquéreur, non. C'est Allah Azza wa Jal. Quel est le prix payé pour cette marchandise? Et à qui s'applique ce contrat? Existe-t-il une réussite plus grande que celle-ci? Existe-t-il un commerce plus profitable que celui-ci? Allah Azza wa Jal a appuyé cela en disant: Ya ayyuhal ladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. Donc سورة الصف, الصف 10-13. Ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Non. Vous croyez en Allah et en son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Résultat, il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans des demeures agréables dans des jardins d'Éden. Voici l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien. Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Vous avez remarqué, il a dit, oh vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera. C'est un commerce entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la marchandise. Non, la marchandise c'est quoi? C'est le paradis. Elle a une silat Allah radia, elle a une silat Allah al-jannah, comme il a dit une fois, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? Ensuite il a dit, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Donc il y a un commerce entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ou tu dois quoi? Vendre, il a dit ici quoi? Tes personnes, hein, ta personne et tes biens. Des fois tu vends ta personne en mourant, et des fois c'est tes biens. Ton argent, ta maison, tes montures, tes chevaux, tu les donnes, yani, fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Sans toutefois oublier, hein, que le djihad, c'est pas seulement le djihad d'aller tuer l'ennemi. Et c'est d'abord le djihad au shaitan qui est tout le temps avec toi. Quant à l'autre, tu le rencontres peut-être une fois dans ta vie. Mais le grand shaitan qui est là collé à toi tout le temps, qui t'entoure, lui, c'est ses adeptes, ses suppôts. Et le djihad du nafs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih. Naam, le djihad du nafs, comme dans le verset. Où Allah Ta'ala a dit, « وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا » Il a dit, alayhi sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed, l'Albani a dit sahih, il a dit, Mujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah. Mujahidu, c'est qui? Celui qui fait le djihad à son nafs. Naam. Il a dit, Muhajiru, c'est celui qui yahjur
يعني سيئات. نعم المهاجر سي سولوي كي اكزيل سي لوان دي بيشي. المهم الله عز وجل نا با سومي سيت انمي ا سون سيرفيتور كرويون كي اي بورتون لو بلوز ايمي دي سي كرياتور بور لونيك ريزون كو لو جيهاد اي لا شوز كي لام لو بلوس et que ses adeptes sont ceux qui disposent auprès de lui des plus hauts degrés et qui sont les plus proches de lui. C'est pas seulement pour cela. Allah établit cette guerre entre nous et ces shayatins en ce qui est l'essence de ces créatures, le cœur qui est le lieu de sa connaissance d'Allah Azza wa Jal, de son amour, sa servitude, la sincérité, la confiance et de la repentance qu'on lui voue. Il lui a donc confié l'étendard de cette guerre et l'a soutenu par une armée d'anges qui ne le quittent jamais. Allah Ta'ala dit « لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ » Al-Ra'd 11, c'est-à-dire l'homme bien sûr c'est l'être humain, a autour de lui des anges qui se relaient et qui veille sur lui par ordre d'Allah. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc choisis, ou bien que Allah Ta'ala te colle un démon, l'ayyadu billah, qui ne te quitte jamais, ou bien des anges qui se relaient. Non. Il dit ici, il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, il se relaie, et à chaque fois qu'un groupe part, un autre groupe arrive. À chaque fois qu'un groupe part, un autre groupe d'anges arrive. Il le renforce, lui commande le bien, il l'incite à faire le bien, lui promettre la générosité d'Allah et le soutiennent. Et lui disent, il n'est question que de patienter un instant et tu vas te reposer ensuite pour l'éternité. Là, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Une seconde. Taïb, je répète ça, c'est très important. Ces anges-là se relaient. Et à chaque fois qu'un groupe part, un autre arrive. Il renforce l'être humain, l'homme, le croyant. Lui commande le bien, l'y incite. Lui promet la générosité d'Allah Azza wa Jal et le soutient. Et lui disent, il n'est question que de patienter un instant. Et tu vas te reposer ensuite pour l'éternité. Subhanallah al-Azim. Il y a des anges, yani, qui disent comme ça à l'être humain. Quelqu'un va dire, moi je n'ai jamais entendu des anges me dire ça. Et on va répondre par deux choses. La première, est-ce que tu as atteint ce stade? Tu as atteint ce stade et ce statut et Allah Ta'ala ne t'a pas envoyé des anges qui te raffermissent? Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas obligé qu'ils te parlent comme ça ou là que tu les vois et que tu les entendes. Mais tu sens dans ton cœur, tu sens qu'il y a un soutien, tu sens qu'il y a une force qui te pousse, tu sens que c'est comme si quelqu'un yani, te parlait de l'intérieur du cœur. Je vais vous citer un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans l'un des livres, dans beaucoup de livres de Cheikh Al-Albani. Une seconde, il est là devant moi, je le cherche seulement, je l'ai mis dans favori sur mon téléphone. Non. Donc il se trouve dans, entre autres, il se trouve dans Mishkat al-Masabih de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala sous le numéro 52. Cheikh Al-Albani a dit authentique. Écoutez ce que dit ce hadith pour vous prouver que il y a yani, des choses yani, dans le cœur qui nous poussent, etc., nous exhortent et nous on ne sait pas. Ça c'est pour bien sûr les pieux, etc. Les autres, ils ont, comme on a cité tout à l'heure, un shaitan collé à eux. Un shaitan collé à eux, que Allah nous préserve. An Abdillah ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, daraballahu mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné comme métaphore, comme ça un exemple pour que les gens réfléchissent et voient quoi. Il a dit siratan mustaqiman, un pont comme ça droit. Je suis en train de faire une traduction simultanée à peu près approchée, c'est-à-dire le sens
Naam, pour vous rapprocher le sens. Naam. Il a dit, imaginez comme ça un pont. Imaginez un pont droit comme ça devant vous. Et à droite et à gauche du pont, deux murs. Un mur à droite, un mur à gauche. Fihima abwab muftaha. Et ces deux murs contiennent des portes ouvertes. Naam, plein de portes à droite, plein de portes à gauche ouvertes. Et devant chaque porte, il y a quoi? Il n'y a pas, comme maintenant, des choses en bois qu'on ouvre pour entrer. Non. Il y a quoi? Il y a des, comme un drap. Autrefois, par exemple, les gens n'avaient pas de porte, donc, pour entrer dans la chambre, on pousse c'est pas ça s'appelle le drap. On pousse comme le drap comme ça et on rentre. Ça ne s'appelle pas le drap, mais vous avez compris ce que je veux dire. Naam, il a dit Sutur Murhat. Wa inda ra's as-sirat, et là-bas, au début du pont, qu'est-ce qui se trouve? Da'i. Quelqu'un, un prêcheur, naam, yaqul. Qu'est-ce qu'il dit? Istaqimu 'ala as-sirat. Maintenez-vous sur le droit chemin. Wa la ta'wujju. Attention à ce que vous déviez. Wa fawqa dhalika. Là, c'est au début, là-bas du Sirat. Hein? Il y a cette personne qui dit ça. Il a dit, au-dessus de cela, au-dessus du pont, Naam, Da'i, un autre prêcheur, Yid'u, Kullama huwa, attendez, qu'est-ce qu'il dit ici? Ouradalika Da'i Yid'u, Kullama, Afun, Kullama hamma abdun, an yiftaha shi'in min tikalabu abqal, Wayhak, la tiftahu. Et sur le pont, il y a un autre prêcheur. Naam, qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois qu'il voit une personne qui voudrait ouvrir une de ses portes, Naam, il lui dit attention. Il voudrait, disons, lever comme ça le drap, il lui dit attention. Attention. Ne l'ouvre pas. Car si tu vas ouvrir, tu vas y pénétrer. Tu vas y pénétrer. Thumma fassarahu fa akhbar. Ensuite, le prophète a expliqué cette métaphore. C'est quoi ça? Non, il a expliqué. Il a dit As-sirat huwa al-islam. Sirat, le pont dont je vous ai parlé, c'est l'islam. Wa anna al-abwab al-muftaha, et les portes qui sont ouvertes, qu'on a vu à droite et à gauche sur les deux murs, il a dit c'est quoi? C'est maharim Allah. Ce sont, yani, les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Naam. C'est à droite, c'est à gauche, c'en est plein. Il y a comme ça, comme un drap qu'on lève, et c'est facile d'y rentrer. C'est pour ça l'autre, il a dit attention, n'approchez pas de ces portes-là. Car tu vas y pénétrer, attention, n'approche pas. Naam. Au soutour, le murkhat, et les choses qui. Les draps, naam, qui descendent comme ça à la place de la porte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont les peines d'Allah Azul, le houdou d'Allah. Naam. Si tu lèves comme ça le drap, c'est la peine qui va t'arriver, car tu as fait le haram. Tu as fait ici le grand péché. Attention, il a dit. Naam. Wa anna da'iya ala ra's as-sirat, et au début du pont, il y avait quelqu'un qui parlait. Naam. C'est qui? Il a dit, celui-là, c'est le Coran. Le Coran. Naam. Wa anna da'iya min fawqihi, et le prêcheur qui était au-dessus de lui, au-dessus du pont, c'est qui? Ça, c'est le témoin du cours. C'est qui? C'est wa'idullahi fi qalbi kulli mu'min. Il a dit, et celui, le prêcheur qui était sur le pont et qui dit attention, n'ouvre pas. Attention. Car il a dit, si tu ouvres, tu vas rentrer. C'est qui celui-là? Il a dit, c'est Wa'id Allah, c'est celui qui exhorte, celui que Allah Ta'ala a mis pour exhorter le croyant, tout croyant, il a dit, et qui se trouve dans le cœur. Donc tous les croyants ont dans le cœur un Wa'id, hein, comme ça, comme une voix qu'ils entendent, naam, et qui les exhorte à s'éloigner du mal, et les exhorte aussi à faire le bien. Si quelqu'un va dire, le hadith a dit,
c'est quelqu'un que Allah Ta'ala a placé dans le cœur ou quelque chose qu'il a placé dans le cœur, une voix comme ça, pour tout croyant. Il va dire, moi j'ai jamais entendu ça, je ne m'a jamais poussé vers le bien, ne m'a jamais éloigné du mal, je leur dis, naam, parce que la foi est faible. Le cœur est plein d'obscurité. Naam, mais quand tu vas polir ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne illuminé comme un miroir, tu vas ressentir ces choses-là. Même tu vas faire le péché, tu vas entendre cette chose dans ton cœur. Attention, n'y va pas. Naam, attention, c'est pas une bonne chose. Éloigne-toi, et comme ça. Naam, tu vas sentir ton cœur qui va rétrécir, ton cœur qui fait des remords. Tout ça, c'est wa'id Allah. Wa'id, l'wa'id, l'exhortateur que Allah Ta'ala a placé dans le cœur de chaque croyant. Et plus maintenant les péchés ont affaibli le cœur est plein de taches noires. S'il n'est pas tout noir, donc cet exhortateur, on ne dit pas exhortateur, il n'y a pas en français, mais cette chose qui exhorte, elle faiblit. Elle faiblit, jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus peut-être sa fonction et son travail. Elle-même, cette chose est noyée. C'est plein de péchés, plein d'eux. Elle ne peut pas te faire arriver ce qu'elle veut. Sa voix ne peut pas t'arriver. Naam. Que Allah Ta'ala nous préserve. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve. Ensuite, il dit. Puis Allah Azza wa Jal. Entendez ce qu'il dit? Puis Allah Azza wa Jal l'a soutenu par une autre armée. A soutenu le croyant. À part qu'il lui a donné dans le cœur cette chose qui exhorte et cette voix, etc., ce soutien, il a dit il l'a soutenu par une autre armée. C'est quoi? En sa révélation et sa parole. Allahu Akbar, tu as le Coran. Si seulement tu lisais le Coran et le comprenais, et appliquais ce qu'il y avait, le minimum, déjà c'est la grande réussite. La grande réussite. Non. Mais nous on est loin. On est loin. Non. Il a dit, et ainsi il a suscité son messager. Il a envoyé aussi son messager, Allah Ibarak, qui a été envoyé, Rahmatan lil Alamin. Miséricorde pour tous les mondes, c'est pas pour les croyants, pour tous les mondes. Miséricorde pour le kafir, pour les animaux, pour tout le monde. Tous les mondes, le monde des humains, des bestiaux, des montagnes, des mers, des étoiles. Pour tout cela, le prophète Hassan, c'est une miséricorde. Il a dit, ajoutons ainsi à sa force ses soutiens et son attirail. Et il l'a renforcé par la raison encore. Alhamdulillah. Regardez, celui qui n'a pas la raison, Allah Ta'ala ne le punit pas. Pourquoi? Mouskine, tu n'as pas la raison. C'est avec la raison qu'on peut adorer Allah Ta'ala, que je peux comprendre. Sans la raison, c'est pour ça que le pubère, l'enfant, quand il n'est pas pubère, même s'il insulte Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ne le punit pas. Pourquoi? Il n'a pas la raison complète. Mais la raison se complète et se parfait avec la puberté. Donc ici, alhamdoulilah, nous a donné la raison. Imaginez quelqu'un qui perd la raison, qui a 40 ans, 50 ans, 30 ans, qui n'a pas de raison. Il est miskin dans la rue, il est habillé de n'importe quoi, de lombo, il mange n'importe quoi, sale, ses cheveux ébouriffés. Il n'a pas de raison miskin, c'est pas ce qu'il fait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugie auprès d'Allah, de quoi? Qu'il perde la raison, lorsqu'il atteindrait le kibar, lorsqu'il vieillissait. Il disait Audubika min sou el kibar. Audubika min sou el kibar. Naam. Et sou el kibar, c'est de perdre la raison quand on vieillit au point de. On ne sait plus ce qu'on fait. La personne fait pipi sur elle et fait les grands besoins sur elle. Naam. Et ça devient un fardeau pour la famille. Alors que, alhamdoulilah, les savants, mashallah, qui ne perdent jamais la raison quand ils grandissent. Quand ils vieillissent, à cause de la lumière qu'ils ont dans le cœur et dans le cerveau. Allah Ibarak. La fois passée, quand j'ai été à l'Umrah, j'ai été assisté à Sheikh Rabi Hafidallahu Ta'ala. Il a cité quelque chose, ensuite quelqu'un l'a repris. Il lui a dit par exemple, c'est Muhammad ibn Kada. C'est pas par exemple Ahmed ibn Kada. Sheikh Rabi Hafidallahu Ta'ala a ri, ri avec éclat. Il a ri, il a dit Yal Mtawa, c'est-à-dire. Il y a comme on dit ça, c'est quelqu'un qui est mdiyan, qui est religieux, qui est mashallah. Il lui a dit, moi j'ai 86 ans. J'ai 86 ans et alhamdoulilah, j'explique sahih muslim, ça veut dire entre parenthèses,
les autres à 86 ans, tu trouves, il dit n'importe quoi. Non. Celui qui n'est pas dans le din, à 86 ans, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, va m'acheter des bonbons, hein, va m'acheter des jouets, va m'acheter je ne sais quoi, la cigarette. Non, il commence à dire n'importe quoi. Il lui a dit, moi, 86 ans, et j'ai dit Ahmed au lieu de Mohamed, ça veut dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave, 86 ans. Il a ri, il a commencé à rire, vraiment, à rire, yani, vraiment, yani, de son cœur, comme on dit. Ici, il dit, ensuite, il t'a soutenu en t'ajoutant quoi? En t'ajoutant, il t'a renforcé par la raison, qui pour lui, pour la personne, tel un ministre et gestionnaire, par la connaissance qui le conseille, par la foi qui le renforce, le soutien et le secours, et la certitude, alhamdoulilah, qui lui révèle la réalité des choses au point qu'il agit comme s'il voyait ce que Allah Ta'ala a promis à ses alliés et son parti pour avoir combattu ses ennemis. Ainsi, la raison administre son armée. La connaissance met en place des techniques militaires qui conviennent. La foi l'affermit, le renforce et le fait patienter, et la certitude le fait avancer et lui fait voir les choses telles qu'elles sont réellement. Puis Allah Azza wa Jal a soutenu celui qui prenait part à cette guerre par la force apparente et cachée. Ainsi, il a fait de l'œil son avant-garde, de l'oreille son informateur, de la langue son traducteur, des deux mains et deux pieds ses soutiens. Et il a ordonné à ses anges et aux porteurs du trône de demander pour lui le pardon, la préservation contre les mauvaises actions et l'entrée dans les jardins du paradis. Allah s'est chargé lui-même de sa protection en disant, voilà mon parti. Et les adeptes du parti d'Allah sont ceux qui réussissent. Il a dit dans le Coran, Oulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Ils sont le parti d'Allah, n'est-ce pas que les partisans d'Allah sont ceux qui réussissent. Et il a dit aussi, wa inna jundana lahumul ghalibun. Et nos troupes remporteront la victoire. Ainsi Allah Azza wa Jal a décrit à ses serviteurs le déroulement de cette guerre et de ce combat. Et il a rassemblé cela pour eux en quatre mots. Ya ayyuha alladhina amanu, sbiru wa sabiru wa rabitu, taqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, patientez dans l'obéissance, endurez l'ennemi, soyez vigilants et craignez Allah afin que vous réussissiez. Ce qui est drôle, d'ailleurs j'arrête ici inshallah ta'ala et je laisse la suite pour le prochain cours. Ce qui est drôle, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est que certains, ou alors beaucoup, quand ils entendent des versets pareils ou des versets qui parlent de lutter contre l'ennemi, etc., vite ils voient entre ses yeux qui? L'ennemi, le mécréant, le juif, le je ne sais qui. Et ils oublient quoi? Ils oublient, comme dit Ibn al-Qayyim, le grand ennemi qui est là entre leurs flancs, qui est leur âme. Non, leur âme incitatrice au mal. Il dit, alors, comment penser et espérer, non, qu'une personne pareille aille combattre l'ennemi qui est loin de je ne sais combien de kilomètres, alors qu'ils n'ont pu combattre l'ennemi proche qui est collé à eux et qui est entre leurs flancs et qui est, yani, leur âme incitatrice au mal. Non, jusqu'à présent, ça fait 15 ou 10 ans ou 20 ans qu'il les ama sur la droiture. Et il n'a pas pu, yani, se détacher, s'éloigner de la cigarette. Donc, son grand ennemi, c'est qui ici? C'est son âme, incitatrice au mal. Il n'a pas pu la vaincre et lui dire, Wallahi l'azim, que je vais te donner une leçon. Je vais te montrer que c'est Allah qui commande, c'est pas toi. Et que c'est son chef, c'est pas tes passions. Et que à partir d'aujourd'hui, demain je me lève, inshallah ta'ala, c'est fini entre moi et la cigarette. Je la divorce, troisième divorce. Non, troisième divorce pour la cigarette. Car un premier divorce, il peut la reprendre. Il la reprend vite. Une demi-heure après, il la reprend. Une demi-heure après.
Alors, troisième divorce, comme quoi, comme ça, maintenant, c'est terminé. Non. Donc, il ne peut pas combattre son âme, il veut combattre le juif. C'est pas possible. Pas possible. Non. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui restent dans ce fabuleux livre à apprendre. Beaucoup beaucoup de choses. Naam. Que Allah Ta'ala nous aide jusqu'à ce qu'on le termine بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Essayez de ne pas tarder pour les questions car j'ai inshallah ta'ala une chose à faire après le cours. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que le son est clair, inshallah? Taïb. Donc, je crois que le frère Mahmoud est prêt, car j'ai récupéré déjà 5 questions. Et je rappelle pour les questions, je ne récupère que les questions sur le cours. Et d'un cours précédent, bien sûr, sur le mal et le remède. Et pour les personnes qui sont tout nouveaux dans le salon, c'est très simple, pour poser une question, on attend la fin du cours, bien sûr. Il y a le signe de la main juste au bas des pseudos, sur le côté droit. On clique dessus et vous verrez votre main levée dans la liste des pseudos. Donc, patientez que le frère qui récupère les questions vienne récupérer votre question, Inch'Allah. Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir vos PV. Donc, pour les questions restantes, Inch'Allah, ouvrez-moi vos PV. Je viens récupérer les questions sur le cours. Barakallahu fikoum. Naam, si vous voulez, on commence, Inch'Allah. Tfaddal, bismillahirrahmanirrahim, tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est bon? Yachir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah. Jazakallahu khayran wa barakallahu fikoum pour ce cours, Yachir. Donc, première question, question d'une sœur qui dit « Barakallahu fikoum yashir pour vos cours ainsi qu'aux admins. Ma question est la suivante. Depuis plusieurs mois, j'ai dans la tête des pensées qui me poussent à commettre des grands péchés, qui me poussent à faire du mal aux autres, alors qu'à la base, je ne suis pas du tout une personne comme cela. Je n'en peux plus, je pense que c'est shaitan, a'udhu billah, wallahu a'lam. Il me dit « Ce n'est pas grave si tu fais un péché, même s'il est grave, Allah pardonne tous les péchés. » Comment se fait-il, cher, que le shaitan, a'udhu billah, est toujours en train de me tenir compagnie alors que j'essaye au maximum de me détourner des péchés? Alors que j'essayais au maximum de me détourner des péchés. Alors que vous avez dit dans le cours que ce sont les personnes qui commettent plein de péchés qui sont toujours accompagnées de shaitan, a'udhu billah. Fadal ya shaykh wa jazakallahu khayran. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Pour répondre à cette question, je dois d'abord vite chercher un verset. Naam. Voilà, par exemple celui-là. Mais puisque celui-là il ne peut pas, attendez. Puisque j'ai pas le programme, donc il faut patienter un peu. Patienter un peu. Je fais. Ainsi. Alhamdoulilah, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, les diables, entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres, etc. Al-Muhim. Ce que je veux dire ici, chaque prophète, c'est qui les prophètes? Ce sont les hommes les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah ta'ala, il a assigné un ennemi à chacun d'eux. Reste que jamais, jamais, cet ennemi ne peut avoir le dessus sur un prophète. Les croyants aussi, qui sont les suiveurs des prophètes alayhi salatu salam, Allah Ta'ala aussi, naam, des fois, pas tout le temps, leur assigne un ennemi. Naam. Et c'est pour cela que nous tous, on a des ennemis. On a des ennemis parmi les djinns et parmi les êtres humains. Ça, vous le savez. Mais, ce que ne fait pas Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un qui est croyant, il ne lui assigne pas cet ennemi, yani, de façon à ce qu'il soit collé à lui. Mais il le colle à quelqu'un qui se détourne de son chemin. Mais quelqu'un qui, comme ici dit la sœur, qui fait des efforts et fait ceci, fait cela, même si l'ennemi existe,
et un son qu'il est collé à elle, mais jamais il ne sera collé, yani, toute sa vie. Mais, en faisant des efforts, en faisant des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, en prenant garde à ne pas tomber dans les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éloigner comme récompense. Il va lui donner le secours et la victoire pour lui montrer que voilà, il a récompensé dans cette vie avant l'au-delà. Toute personne, yani, qui est sincère avec Allah et qui fait des efforts, Allah ta'ala la gratifie ici et avant l'au-delà. Mais c'est Allah ta'ala qui décide quand. Non, c'est pas nous qui allons dire à Allah ta'ala, ya Allah, donnez-moi maintenant la victoire, j'ai assez souffert, j'ai ceci, j'ai cela, je mérite. On ne dit pas ça. Si on dit ça, Allah ta'ala va se mettre en colère contre nous. Mais toi, dans tous les cas, je dis à cette sœur, tu es gagnante. Car tu es en train de te combattre, et tu es en train de combattre cet ennemi. Tu ne t'es pas livré à lui, tu le combats en faisant ta'awiz, en lisant le Coran, en faisant l'adkar, en faisant des doigts. Donc tu es gagnante en ce sens. C'est-à-dire que tu es en train de te remplir de hasanat bi'idhnillahi ta'ala. Et si Allah ta'ala avait voulu, il n'aurait pas créé le shaitan. Il n'y aurait pas de shaitan. Mais Allah ta'ala sait que dans sa création, il y a de grandes sagesses. Non, le fait de montrer qui sont ses suiveurs et qui sont ceux qui suivent les messagers. Non. Et aussi, l'une des grandes sagesses, c'est de lui déclarer la guerre et de se réfugier auprès d'Allah contre lui. Et comme ça. Donc, ça annonce la bonne nouvelle. Reste endurante. Allah ta'ala te donnera la victoire si tu es sincère. Tfadla, deuxième question. Jazakallahu khayran wa barakallahu fiik ya cheikh. Nous allons passer à la deuxième question. Question d'une sœur qui demande: nous avons dit que nous ne voyons pas Shaitan. Nous avons dit que nous ne voyons pas Shaitan sous sa véritable apparence. Mais en avons-nous une description? Tfadla ya cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même le Coran a cité le shaitan. Et le prophète alayhi wa sallam a donné certaines de ses descriptions. Il a une famille, il a des enfants, comme quoi il mange, il boit, comme quoi il urine, comme dans le hadith que celui qui se réveille pas pour salat sobh, c'est Shaitan qui a uriné dans son oreille. Donc il urine. Et comme quoi il s'approche des femmes. C'est pour ça que quand le croyant s'approche de sa femme, il fait la doua. Bismillah, l'homme djinnibna Shaitan ou djinnib Shaitan ma zartana. C'est une preuve que si tu dis pas ça, lui il va faire la même chose avec ton épouse. Donc il s'approche des femmes. Dans le paradis, Allah Ta'ala a dit, en parlant des femmes, des houris, il a dit, لَمْ يَتْمِتْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَنَّ. Il a dit, ces femmes-là, aucun homme ne les a touchées avant vous, ni homme ni djinn, le djinn. Donc même le djinn, ça veut dire qu'il touche les femmes. Donc, mais celle-là, les houris, il ne les a pas touchées. Et il lâche des paix, comme dans le hadith authentique, que lorsqu'il entend l'adhan, il commence à lâcher des paix et il s'enfuit. Non. Il rentre dans les maisons, il fait beaucoup de problèmes. Mais physiquement, on sait de lui, par exemple, qu'il a deux cornes. Comme dans le hadith authentique, qu'il est interdit de prier pendant que le soleil se lève et le soleil se couche. Il a dit, car à ce moment, il y a des gens qui adorent le soleil. Et Shaitan, quand il sait qu'il y a des gens qui adorent le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il se rapproche du soleil et essaye de faire de sorte de faire croire que c'est comme si le soleil montait, yani, de ses deux cornes. C'est-à-dire, il rapproche ses cornes comme ça du soleil, comme quoi il fait croire que le shaitan vient de se lever de ma tête. Et la même chose, quand le soleil veut se coucher, il descend comme ça ses cornes, comme quoi, yani, le soleil va descendre sur ses deux cornes pour se coucher.
Wallahu ta'ala a'lam. Il y a d'autres sûres, beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas citées, hein, mais pour vous donner un aperçu sur le shaitan, wal'iyadu billah. Cheikh Rabbi hafidhahullah ta'ala a dit, j'ai vu deux fois le shaitan, non, mais pas sous sa vraie forme, bien sûr. Il a dit, j'ai vu comme ça des bébés, non, un bébé qui avait une, qui était immense, comme ça, presque comme un immeuble, là, tellement grand. Non. Il a dit, j'étais avec mon frère, et j'ai dit à mon frère, tu as vu ce qu'on a vu? Il a dit, oui, j'ai vu. Il a dit, j'ai pas voulu parler. Donc, c'est possible qu'ils viennent sous forme comme ça d'animaux, sous forme de géants, sous forme de bébés avec des têtes géantes. Mais j'ai dit sous sa vraie forme, non, si la personne le voit, elle risque de mourir sur le coup. Taïb, tu vas dans la troisième question, inshallah. Jazakallah khayran wa barakallahu fik cheikh. Prochaine question, question d'une sœur, question numéro 3, qui demande. Ma question concerne le fait d'être associé dans les péchés. Est-ce que le fait de faire nasiha à une personne qui s'apprête à commettre un péché, en la conseillant d'agir autrement pour éviter un plus grand mal, est considéré comme étant une association dans le péché? Sachant que du coup, la personne va quand même commettre le péché et que je n'aurais fait que la conseiller de faire un péché de moindre gravité. Donc elle l'a conseillé au lieu de faire un grand péché, de faire un péché de moindre gravité. Est-ce que cette personne est associée dans le péché? Fadal Yashir. Je lis d'abord. Ma question concerne le fait d'être associé dans les péchés. Est-ce que le fait de faire nasiha à une personne qui s'apprête à commettre un péché, on la conseille d'agir autrement pour éviter un plus grand mal, est considéré comme étant une association dans le péché? Sachant que du coup, la personne va quand même commettre le péché et je n'aurais fait que la conseiller de faire un péché de moindre gravité. Quand on conseille quelqu'un, même, si c'est possible de lui conseiller de ne pas faire le mal du tout. De ne pas faire le mal du tout. Pourquoi? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de l'aider à ce qu'elle s'éloigne du péché. Mais si maintenant, elle va être la cause pour que la personne diminue du péché, c'est moindre mal. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle en islam, faire le moindre mal. Il y a en islam comment pousser le grand péché en faisant yani, le moindre. Et quand on fait le moindre, c'est-à-dire que yani, on a diminué quand même. Ce n'est pas celui qui boit de l'alcool. Ce n'est pas comme celui qui fume la cigarette. C'est un exemple. Les deux ont fait des péchés. Mais celui qui fume la cigarette, c'est moins grave que celui qui, par exemple, qui boit de l'alcool. C'est pour ça que si une personne va te dire qu'est-ce que je fais, je fume ou bien je bois de l'alcool, tu lui dis non, les deux ne sont pas bien. Les deux. Mais il te dit je vais faire une chose, hein, je vais faire ce soir, il faut que je fasse. Qu'est-ce que je fais? Tu lui dis les deux ne sont pas bien. Mais la cigarette c'est moins grave que l'alcool. Mais les deux ne sont pas bien. Je t'avertis, les deux ne sont pas bien. Mais qu'il fume, c'est moins grave que qu'il boive de l'alcool. Mais si on peut, on essaie de le dissuader, yani, de tout le péché. Le péché en général, on le dissuade de lui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadal. Naam, barakallahu fika cheikh. Prochaine question, question d'une sœur, question numéro 4, qui demande, vous avez dit que les péchés aveuglent le cœur. Est-ce que ceci s'applique également à une personne qui est poussée à commettre un péché par une autre personne, tel que son père qui l'oblige à aller dans un établissement scolaire et à ôter son voile devant tout le monde? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un péché et quand on est contraint de le faire, ça ne rentre pas dans notre cas.
Nous, on parle de celui qui fait le péché en le choisissant. C'est lui qui le fait de son propre gré. On ne parle pas de quelqu'un, on lui met un revolver sur la tempe et on lui dit « bois de l'alcool ». Car, dans ce cas, ça ne s'appelle pas un péché. Le péché qui se fait dans la contrainte ne s'appelle pas un péché. Pour qu'il soit péché, il faudrait que la personne le veuille et le fasse. Mais si on force la personne à le faire, ce n'est plus un péché pour elle. Et dans ce cas, si ce n'est pas un péché, n'aveugle pas le cœur bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais faut-il être sûr qu'on est dans la contrainte? Il faut être sûr que tel et tel cas, c'est de la contrainte bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan ya shaykh. Prochaine question, question numéro 5. Donc la personne demande comment remonter la pente lorsque justement suite au péché nous sentons que nous avons lâché prise, car c'est très dur de retrouver la foi et de maintenir le cap. Allah vous récompense ya shaykh wa jazakallahu khairan. Tfadl ya shaykh. Il a dit c'est très dur de retrouver la foi. Ah d'accord, de retrouver. Je croyais que tu avais dit c'est très dur de rester sur la foi et de maintenir le cap. Non. Je dis, il n'y a pas un être humain qui se trompe pas. M'a dit le prophète islam, Kulubani Adam Khatrir Khatta in Tawabun. Non. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde téléphone. Regardez ce verset qui va venir. Chauffe ce verset. Barakallahu fik. Je cherche le zèle où il se trouve. J'ai pas trouvé. Comment qu'on écrit zèle? Zèle. Une seconde. Bon. Alors j'écris un autre mot, il ne l'a dit notre oui, mais c'est un pas iPhone, mais c'est un chien, pas iPhone. Pas iPhone. طيب ان الذين اتقوا. Regardez ce verset. Hein. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. Dommage, j'ai pas le programme pour copier. Yani pour envoyer. Chauffe une seconde. Je suis en train de copier-coller et j'arrive pas. Une seconde. Il faut qu'on fasse des efforts pour qu'on contacte. Je vous demande à vous qui êtes là-bas. Il faut faire des efforts pour contacter quelqu'un qu'on appelle en français, on dit un programmeur. Quelqu'un qui fait des programmes et on le paye. Celui-là, il doit nous faire un programme où il y en a à la rigueur les versets. Arabe français. Quand j'ai besoin d'un verset, je clique dessus, il s'affiche, comme le programme que j'avais. Et je peux vite y en a envoyer en arabe et en français. Non, c'est très important. On peut le payer bi'idhnillah ta'ala. Il y a des gens qui yani, donneraient tout leur argent fi sabilillah. Tout leur argent fi sabilillah. Al-Muhim. Le verset a dit, ceux qui pratiquent la piété, ceux qui sont pieux, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent le châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Donc, ceux qui pratiquent la piété, qu'a dit Allah Ta'ala 2? Il dit que quand même, une suggestion du diable les touche. Mais, ils se rappellent le châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. C'est-à-dire, dans un verset plus clair, que je vais citer maintenant pour que vous compreniez mieux. Car dans ce verset, quelqu'un peut dire, oui, mais ceux-là n'ont pas fait de péché. Juste une suggestion, ils se sont rappelés. Je vais lui dire, tu as raison. Ça, ils sont devenus clairvoyants. Regarde le verset qui va venir maintenant. Non.
où Allah subhanahu wa ta'ala a dit attendez, comment ça commence avec le verset, une seconde. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا جيكري لم يصروا يصروا voilà. Alhamdulillah, regardez ce verset par contre. Ce verset par contre. Très clair. Dites-moi si c'est affiché. Est-ce qu'il s'est affiché? Alhamdulillah, elle est à 135. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, en désobéissant à Allah Azza wa Jal, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leur péché. Ça veut dire qu'ils ont fait des péchés. Non. Mais quand ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se souviennent d'Allah, c'est-à-dire se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et demandent pardon. Donc l'essentiel dans tout cela, ce n'est pas de ne pas faire les péchés. Ça, il faut ne pas faire les péchés. Mais l'essentiel, si on en fait, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que si les êtres humains ne faisaient pas de faute, alors quoi? Il les exterminerait. Et on faisait venir d'autres. Et il va faire venir d'autres qui, eux, font des péchés, mais reviennent vers Allah en demandant pardon. Donc ne t'étonne pas de quelqu'un qui a fait le péché, mais étonne-toi de celui qui a fait le péché qui n'est pas revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cœur meurtri, il n'a pas de remords dans le cœur. C'est quelqu'un qui s'en fout. Tu lui dis regarde ce que tu as fait, il te dit hey, tout le monde en fait maintenant. Tu me prends pour un de quoi? On est à l'époque du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qui ne fait pas les grands péchés, il te dit comme ça. Ça, c'est pas complètement comme ça. Mais si par contre, quelqu'un a été eu, Shaitan l'a eu, il s'est relevé, il est, non, je demande pardon à Allah, je fais le repentir, je donne un peu de mon argent au service de la pauvreté la nuit, je jeûne, ceci, cela, celui-là, il contient beaucoup de khair. Allah et renforcer son cœur bi'idhnillahi ta'ala. Tfadla. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya cheikh. Prochaine question, question d'un frère, question numéro 6, qui demande, vous avez dit dans le cours que les démons nous voyaient. Est-il vrai que le jour du jugement dernier, ce sera les êtres humains qui les verront et eux, non, et non eux? Une personne m'a dit cela une fois, mais je ne l'ai jamais lu ou entendu d'un savant de la Sunna. Barakallahu fikoum et qu'Allah vous protège ainsi que ceux qui sont dans le salon. Amin. Premièrement, je n'ai pas entendu le numéro de la question. Il y avait beaucoup de coupures, mais alhamdoulilah, qu'elle est là, je peux la lire. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdulillah. J'ai dit, ce que je sais moi, et si je me trompe, qu'Allah ta'ala me pardonne, c'est qu'Yom al-Qiyama, on les verra. Sinon, comment il va y avoir le dialogue entre nous et le shaitan, et lui dire, c'est toi qui m'as fait ça, et lui te dire, moi j'ai peur d'Allah, je t'ai pas forcé avec des chaînes, c'est toi qui es venu, et comme ça, c'est ce que je sais de Madhab al-Sunna al-Jama'a. Si je me trompe, que quelqu'un me reprenne, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est un peu étonnant comment ton plus grand ennemi, tu ne vas pas le voir. Ton plus grand ennemi, tu ne vas pas le voir. Mais ce serait plutôt beaucoup plus logique que tu le vois pour savoir qui celui-là qui a fait tous ces problèmes et de le voir comment il va être jeté en enfer, bi'idhnillahi ta'ala. Non, Wallahu a'lam, tfadla. Jazakallahu khayran al-shir. Septième question. Question d'un frère qui demande, qui dit déjà, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins pour tout le bien apporté. Ma question porte sur l'explication du sens de la parole selon laquelle
chacun est accompagné d'un djinn. Et comment expliquer que le djinn se manifeste de différentes façons, humaine ou djinn? Je n'arrive pas à comprendre la signification de l'expression sous l'apparence humaine. J'espère que cela est compréhensible. Barakallahu fikum. À partir de la sixième question, Mahmoud, je ne t'entends plus qu'avec beaucoup de coupures. Je voudrais demander si c'est seulement chez moi, pour que j'aille voir dans les autres chambres. Qu'est-ce qui se passe s'ils sont connectés avec moi sur YouTube ou quelque chose comme ça? Ou alors si c'est chez tout le monde? Hein? Abu Torab, il a dit j'entends bien. D'ailleurs. Donc une seconde, je vais voir là-bas qui est connecté avec moi. Une seconde. Donc la question, c'est la question numéro 7. Donc question numéro 7, question d'un frère qui demande qu'Allah vous récompense ainsi que les admins pour tout le bien apporté. Ma question porte sur l'explication du sens de la parole selon laquelle chacun est accompagné d'un djinn. Mais comment expliquer que le djinn se manifeste de différentes façons, entre parenthèses, humaine ou djinn? Je n'arrive pas à comprendre la signification de l'expression sous l'apparence humaine. J'espère que cela est compréhensible. Barakallahu fikum. Tafaddal ya cheikh wa jazakallahu khayran. Il dit, je n'arrive pas à comprendre la signification de l'expression sous l'apparence humaine. Sous l'apparence humaine, imagine que toi tu me connaisses. Et que tu m'as vu, tu es venu ici à Blida et tu m'as vu. Ensuite, un jour, tu vas leur dire, j'ai vu Chalabi à Lyon. Je l'ai vu dans un café. Naam. Alors que moi, je suis là. Ça, c'est arrivé à Ibn Taymiyyah, rahmatullah. On lui a dit, on t'a vu à la Mecque. Naam. Il a dit, non, ça fait des années. Je ne suis pas allé à la Mecque. On lui a dit, subhanallah, yani, tu parlais, tu faisais ceci, même un cours, je ne sais quoi. Il leur a dit, ça c'était mon djinn. Il a dit, quelqu'un, un djinn qui a pris ma forme. Naam. Et bien sûr, il peut faire des problèmes. Il peut dire, voilà, j'ai entendu des fois, yani, l'apparence de certaines personnes. Non, peut-être pour faire des problèmes, peut-être s'il est croyant là, pour faire quelque chose de bien. Donc voilà ce qu'on veut dire par yani, prendre une forme humaine. Il peut prendre une forme humaine et il l'a fait aussi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il la bataille de, je crois, de Uhud. Non. Ou bien de Badr. Il s'est présenté sous forme humaine, sous forme de quelqu'un de connu. Non. Et ensuite, le professeur m'a montré que c'était un djinn, que le shaitan est venu sous la forme, yani, d'une forme humaine. Comme Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, qui vient sous la forme humaine aussi. Lorsqu'il est venu parler dans le hadith où ils ont dit que un homme est venu. Comme ça, c'était Jibril alayhi salam sous forme humaine. Et la même chose, le djinn et Shaitan peut venir sous forme humaine aussi. Ensuite, moi, je vais ajouter une question qui m'est parvenue ici. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Dites si vous m'entendez numéro 1. Il y a un malentendu qui s'est produit entre certaines sœurs. Et ça parle de djarh wa ta'dil et quelque chose comme ça. Et ensuite, ce que je voudrais dire, moi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est que dans ce qu'on m'a envoyé, ce que j'ai lu, j'ai compris qu'il y avait quelque part une confusion. Il y avait une confusion, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et que certaines sœurs, n'ont pas, même certains frères, n'ont pas encore assimilé une chose, n'ont pas encore bien compris une chose. C'est quoi cette chose? Cette chose, c'est que quand on dit par exemple que telle personne, il ne faut pas l'écouter, telle personne a un mauvais minhaj, telle personne, il ne faut pas le suivre.
Alors, il y a certains frères, certaines sœurs qui disent par exemple, ça c'est namima, ça c'est médisance. Faut pas parler comme ça. Faut pas dire aux gens comme ça. Nous, on doit préparer l'akhira. On doit penser à l'au-delà. On doit se remplir de hasanat et non pas se remplir de siyyat et comme ça. Et ceux qui disent comme ça, quand on leur dit attention à X, attention à Y, c'est un moubtadir ou quelque chose comme ça, ils répondent comme ça, cela se divise en deux. Il y en a ce qu'on appelle les hizbi. Ceux qui ne sont pas sur le minhaj et qui, alors lorsque tu dis comme ça, ils n'aiment pas. Il dit donc, maintenant si on laisse tout le monde parler et dire faut pas suivre celui-là, faut pas suivre X et Y, donc ils vont tous nous dévoiler. Donc, ils n'aiment pas. Ils disent non, faut pas parler comme ça, c'est pas bien. Ça c'est de la médisance. Hein, c'est pas bien. Hado, c'est clair. Ce sont des Hizbi et d'autres. Mais, la deuxième catégorie, ce sont des Salafis qui disent comme ça. Mais ceux-là, l'âme, donc la faute vient d'où ? Vient de la confusion qu'ils font. Entre quoi ? Entre, yani, mettre en garde, l'âme, et entre le djerh et ta'dil, et que ce soit nous qui portons des jugements et mettons en garde. Il y a une grande différence entre les deux. Une grande différence entre je propage ce qu'on dit les savants. Les savants ont dit il ne faut pas écouter Mohamed Hassan. Quand je dis écoutez pas Mohamed Hassan, je n'ai pas inventé ça de ma tête. C'est Cheikh Rabbi, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Obed, Cheikh X, Cheikh Y qui ont dit il ne faut pas le suivre. Tant que moi, je ne suis pas en train de faire le djerh et le ta'dil. Je suis en train de propager ce qu'ont dit les gens du djerh et ta'dil. Le djerh et ta'dil, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis encore un débutant dans le din. Il faut être du niveau de Ahmed Ibn Hanbal et Yahya Ibn Ma'in et Razi et les grands. Non. Moi, je suis un débutant. Qu'est-ce que je fais? Je suis seulement en train de propager. Et maintenant, si le fait de propager et dire les savants ont dit, il ne faut pas suivre celui-là, il ne faut pas écouter celui-là, si ça rentre dans la médisance et la calomnie, et c'est pas bien, et c'est la namima, alors le din est détruit. Khlas. Alors ça veut dire que le din, il va être détruit. Pourquoi? Parce que l'un des piliers pour que cet islam yani, se propage, il faudrait qu'il y ait quoi? Le fait de montrer qu'il y a des ennemis, qu'il y a des faux, et qu'il y a des mubtadi'a, et qu'il y a des trompeurs, et qu'il y a des intrus. Naam. C'est ça comme dit Ubayd al-Jabir, comme dit Cheikh Rabi'a. Si maintenant on ne montre pas, on se tait. Donc, d'où les gens de la Bida, ils font ce qu'ils veulent. On les laisse parler. Tais-toi, c'est de la namima, il ne faut pas parler sur lui. Pourquoi je pars pas sur lui? C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est les savants qui ont dit qu'il ne faut pas le suivre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dit la namima, sa misance. Allah alam, les deux. Le riba, ça, le riba et la namima. La namima, c'est le colportage. Et la médisance, c'est le riba. Jazakallahu khairan. Ils vont dire c'est riba, tais-toi. Le muhim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Hind, l'épouse de Abu Sofiane est venue lui dire « Mon mari est un avare. Il ne nous donne pas ce qui suffit, etc. » Il a dit « Prends ce qui te suffit, toi et tes enfants. » Mouhim, quand elle lui a dit « C'est un avare, la messique. » Il n'a pas dit « Attention, tais-toi, c'est de la namima. » Elle lui a dit « C'est un avare. » Mais c'est pas la namima parce qu'il faut que je vous dise que c'est un avare pour que vous me donniez un jugement, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand une femme est venue lui dire, deux personnes sont venues demander ma main, Abu Jahm, naam, et c'est qui le deuxième, subhanallah al-azim, maintenant je dis oublié, Abu Jahm, et Muawiyah, naam. Il a dit, quant à Muawiyah, c'est un sourlouk, c'est un pauvre, il n'a pas d'argent, ne te marie pas avec quelqu'un qui n'a pas un sou. Et quant à Abu Jahm, c'est quelqu'un qui frappe les femmes. Éloigne-toi des deux. Et épouse Oussama. Donc, en parlant de Muawiyah, il a dit c'est un surlouk. C'est un pauvre qui n'a pas un sou. En parlant d'Abu Jahm, il a dit c'est quelqu'un qui frappe les femmes. Il n'a pas dit c'est de la médisance. Le prophète, mais ce qu'il fait riba,
il te fait le riba, il fait la médisance. Ma'adallah. Mais elle a dit, je te mets en garde. Je te mets en garde, ne te marie pas avec ces deux-là. Ça, c'est donc quelque chose de dunya. Mettre en garde dans la dunya. Attention celui-là, attention celui-là. Qu'en est-il maintenant le din? Celui-là, il vient, il raconte n'importe quoi. Il fait des bidas, il fait des bidas. Et je ne mets pas en garde, je me tais. C'est quoi ce din-là? Si je me tais et je ne mets pas en garde. Ça, c'est... Au contraire, moi je dis au contraire. Celui qui se tait, c'est lui qui a les péchés. Celui qui se tait. Et il sait que celui-là, il ne faut pas le suivre. Et tu laisses les gens écouter, tu as des péchés. C'est comme si maintenant, il vient, c'est pas, Jeffrey par exemple, vient Jeffrey, il va s'asseoir à la télé, je rentre dans la pièce, je trouve les gens, ma famille en train de les écouter, je me tais. Alors qu'il est en train de propager Sophia et d'insulter je ne sais qui, les Sahaba, et moi je tais, je dis, il faut que je leur montre, il dit, oh là, celui-là, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Celui-là, c'est un égaré, c'est un égareur. C'est comme ça. Et quand tu parles, ça voit que tu es sincère. Là, tu défends le dîme. Tu montres les gens de la bida. Tu ne te tais pas. Et celui qui se tait, il dit, moi, je parle pas, que chacun s'occupe de ses affaires. Yakoya, moi, l'essentiel, c'est de m'occuper de mes affaires et de mes enfants. Celui-là, il est faible. C'est un croyant faible. Là, il ne défend pas, il se tait. Il peut avoir des péchés. Il peut avoir des péchés s'il se tait. Et c'est que cette personne n'est pas bien, et que les savants parlent sur elle, et ils ne montrent pas, ils se taisent. Non. Mais il y a une chose, il y a une chose importante, c'est quoi? Quelqu'un va dire, mais on a envoyé un Cheikh Bezmoul, Ahmed, c'est pas Ahmed, Mohamed, Hafidallahu Ta'ala, on lui a dit, les femmes parlent dans le Jahl et Ta'dil, est-ce qu'il y a ceci en mal, est-ce qu'il y a un mal? Il a répondu, ce n'est pas l'affaire des femmes de parler en cela. Et je ne connais pas une femme parmi les salafs qui est rentrée dans ce sujet. Et la femme, à la base, elle est touchée par une diminution en raison de ses menstrues, etc., etc. Il a dit ce qui la rend incapable de parler dans ce sujet. À la base, il ne faut pas que les femmes s'occupent de cela. Ce sera juste une science pour elles qu'elles suivent. Et la femme apprend ce qu'a ordonné sa religion, ce qu'elle a besoin pour l'adoration de son Seigneur, sa responsabilité vis-à-vis de son époux, ses enfants, sa maison, etc. Mais je dis, ce n'est pas comme ça qu'il fallait poser la question à Cheikh Ahmed Bezmoul. Parce que ici, le Cheikh Ahmed Bezmoul, Mohamed, on lui a fait croire que donc les femmes sont rentrées maintenant dans le Jahl al-Ta'dil, c'est-à-dire que c'est elles qui donnent des jugements. Elles prennent les livres, les livres des savants, des rapporteurs, et elles donnent un jugement. Elles disent, celui-là, il ne faut pas l'écouter. Celui-là, il est majrouh. Celui-là, il est critiqué. Ça, aucune femme ne l'a fait jusqu'à présent de nos jours. Ça n'existe pas. Et même nous, les hommes, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Il faut vraiment un niveau. Il faut être comme Cheikh Rabi et Cheikh Al-Albani pour pouvoir donner un jugement. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne fait pas le Jarh al-Ta'dil. Nous, on suit les savants, ce qu'ils disent dans le Jarh al-Ta'dil, et on propage, c'est tout. Voilà la confusion qui se trouve maintenant chez ces gens et ces sœurs. Elle croit que si tu dis qu'il ne faut pas suivre Mohamed Hassan, ça veut dire que tu as fait Jarh al-Ta'dil. Non, je n'ai pas fait Jarh al-Ta'dil. Jarh al-Ta'dil, c'est Cheikh Rabi qui l'a fait. Et Cheikh Ubaid, il a dit ne suivez pas Mohamed Hassan. Et moi, j'ai transmis, c'est tout. C'est pour ça que, écoutez bien ce que dit ici Cheikh Mohamed Bezmoul, il dit, à la base, il ne faut pas que les femmes s'occupent de cela, Jarh al-Ta'dil. Ce sera juste une science pour elles, qu'elles suivent. Il a bien dit qu'elles suivent. Donc, nous, on suit, c'est tout. On suit ce que disent les savants. Donc, attention à ce qu'il dit, il ne faut pas faire de Jarh al-Ta'dil. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne faut pas faire de Jarh al-Ta'dil? Qui fait de Jarh al-Ta'dil? Personne. Ce sont les grands savants qui font. Vous connaissez-vous quelqu'un, un jeune ou là, qui fait de Jarh al-Ta'dil en France ou là, en Angleterre ou là? Il n'y a pas. Ça pas. C'est les grands savants qui font. Et alors, qu'en est-il qu'une femme? Une femme fait de Jarh al-Ta'dil. Ça, c'est jamais vu. Ni autrefois, ni de nos jours. Mais par contre, parler et dire voilà ce qu'on dit des savants, ça, c'est une obligation. Et celui qui ne le fait pas, même, il a enfreint à une obligation. Il n'a pas prescrit le bien, il n'a pas ordonné le bien, il n'a pas interdit le mal. Il a laissé les gens mauvais, critiqués par les savants, il les a laissés parler. Parler. Et il n'a pas dit attention. Ceux-là, les savants ont parlé sur eux. Il faut
faut pas les suivre. Non. Voilà, inchallah ta'ala, ce que je voulais dire. Et on ne termine pas les deux autres questions parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Je demande pardon si je vous prends de votre temps. On continuera, inchallah ta'ala.